Bonjour à tous et bienvenue sur la Deus TV, on se retrouve pour ce cinquième épisode sur Satisfactory. Et comme vous avez pu le voir dans le timelapse qui a précédé, pas mal de changements dans l'usine, en particulier les murs et les fondations et un étage supplémentaire, mais j'ai arrêté le timelapse un peu plus tôt pour vous laisser la petite surprise. Voici, j'ai coloré les murs, je me suis débloqué le pistolet à peinture que j'ai actuellement en main. Ensuite, les recharges de peinture, on les fait avec les pétales qu'on trouve dans les arbres et sur les fleurs. Et à partir de là, on peut peindre vraiment ce qu'on veut. Alors, je n'ai pas essayé de peindre le sol. Non, a priori, on ne peut pas. Et ça marche vraiment comme un pistolet, c'est-à-dire que je tire sur un objet, paf, il est coloré. Tchac, 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 voilà. Donc c'est un peu, ça marche même d'extrêmement loin. Donc c'est très très sympa. Voilà, on peut vraiment donner un peu de style à notre base, et même les poteaux, hop là, tchac, voilà, il est rouge. Et autre petit détail que je viens de découvrir un petit peu par hasard, là vous voyez, il y a toujours une couleur principale et une couleur secondaire, ici le jaune, c'est ce que vous avez en bas à gauche dans l'onglet de pistolet à couleur. Si je fais un clic droit, je peux changer de couleur et peindre dans d'autres coloris. Et si je fais Edit, par exemple le jaune, je vais le passer en bleu. Voilà, je fais Update, confirmer, et voilà. Tous mes objets qui ont été colorés dans ce preset de couleurs ont changé. Et vous voyez, j'ai des petites bandes bleues un petit peu partout. Donc c'est plutôt pas mal, ça évite de tout avoir à tout recolorer et repeindre. Il suffit juste de changer le preset ici et ça change déjà tout ce qu'on a fait. Donc voilà, une bonne chose à savoir. Je vais mettre quelque chose d'un peu plus orangé. Voilà, update, confirme. Voilà. Voilà, voilà les amis. Mais écoutez, après sinon pas grand chose de nouveau. Si j'ai replacé l'ascenseur, j'ai mis des fondations dessous parce que j'avais un petit peu de mal à le placer. J'ai replacé également le hub et l'atelier, voilà, maintenant qu'ils sont un petit peu plus accessibles. Et surtout, pour accéder à l'ascenseur, je me suis fait un jump pad, donc il suffit que j'aille dessus. Hop, et me voilà éjecté directement ici, et j'ai accès à l'ordinateur pour charger les éléments qui sont à l'intérieur. Alors on peut juste cliquer sur l'ascenseur, on n'est pas obligé d'avoir accès à l'ordinateur pour l'utiliser, mais je trouve ça quand même beaucoup plus classe d'accéder vraiment à son ordinateur qui se présente quand même de fort jolie manière. Ensuite, pour le retour, il suffit de sauter par cette fenêtre et on se retrouve directement sur le hub. Ensuite, je me suis fait un deuxième petit jump pad ici qui m'éjecte directement au premier étage de mon usine, même si je me suis fait un escalier de ce côté-là et un autre de l'autre côté. Ici, j'ai fermé avec des murs, mais je pense qu'il va falloir que je les change pour mettre des murs avec des petites fenêtres comme ceci pour laisser passer les tapis roulants. Et ici, pareil, un petit escalier. Et là, on a les foreuses que vous avez vues, que vous connaissez. Alors, pour l'instant, j'ai rien changé du tout à l'intérieur même de l'usine. On a exactement les mêmes machines qui continuent à fonctionner. Alors certaines sont à l'arrêt parce que mes coffres sont pleins. D'où l'intérêt de ce qu'on va faire aujourd'hui, savoir essayer d'optimiser un petit peu plus notre fabrication. Alors le fait d'avoir mis un sol vraiment à ras, enfin des fondations plutôt à ras du sol, j'ai le petit caillou qui dépasse. Mais bon, c'est pas bien bien méchant. Ici tout fonctionne aussi, mais tout est plein. On voit. Normalement, voilà, j'ai du power. Je me suis également rajouté, vous pouvez les voir d'ici. Alors est-ce que je peux la peindre d'ici? Ah, je suis peut-être un peu loin. J'ai donc rajouté trois générateurs supplémentaires à charbon, donc là je dois être aux environs de 300, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, 300 mégawatts de capacité, j'en utilise 67, 70, mais bon, j'ai pas mal de machines à l'arrêt, hein, vous voyez, tout ce qui clignote en orange, les machines ne fonctionnent pas, et je pense que c'est tout simplement parce que tout est plein ici. Voilà, les coffres sont pleins,
Ici aussi, du coup, les machines ne produisent plus. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, ce que je voulais faire moi déjà dans un premier temps, c'était optimiser un petit peu la production. Et pour ce faire, j'ai dans le palier, donc j'ai une arme ici aussi que je pourrais débloquer. J'ai dans le palier 4, voilà, production de l'acier. Et surtout dedans, j'ai la foreuse V2 qui peut me produire, vous voyez, c'est marqué en bas à droite, 120 ressources par minute. Alors ça, c'est le taux normal pour des ressources normales. Étant donné que j'ai des ressources pauvres, ou en tout cas impures, du coup, j'ai la moitié. Donc, pour l'instant, je suis à 30, mais en passant à la foreuse V2, je vais monter à 60. Donc, je vais débloquer ce palier rapidement. Vous voyez que c'est déjà quasiment fait. Il manque juste quelques rotors. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. On débloque le jalon. Et du coup, voilà, j'ai la foreuse V2. Et il me faut quoi pour faire de la foreuse V2? Là. Alors, efface-toi. Il me faut des choses en acier. Alors, il me faut une foreuse portable. Ok. Encase d'industrial beam, donc ça c'est fait en acier, tuyau en acier et du câble. Du coup, faut que j'attaque l'acier. J'avais pas prévu de faire ça tout de suite. Je pensais pouvoir passer en V2 d'abord. Alors, est-ce que je peux faire de l'acier sur moi? Lingot d'acier, oui. Il suffit que j'ai du fer et du charbon. Donc, à la limite, je peux le faire à la main. Et ça va être assez long. Je vais juste mettre dans un premier temps. Je vais juste mettre dans un premier temps. Comment ça s'appelle? Une fonderie avancée. Que je vais placer, je sais pas trop où. Bah, là-haut, ce serait pas mal. Ce serait pas idiot. Alors, il me manque tuyau en acier et industrial beam. Ouais, donc, quoi qu'il en soit. Il faut que je commence à faire l'acier à la main. J'ai pas le choix. Alors, on a dit qu'il fallait. Hop, on va récupérer du minerai de fer. 200. Et il va me falloir du charbon qui, malheureusement, est un petit peu à l'autre bout de l'usine. Donc, je vais chercher ça. Je fais l'acier et on se retrouve tout de suite. Alors voilà, j'ai construit déjà un petit peu d'éléments en acier. Voilà, alors c'est ça qui manque. C'est quoi ça? Encase d'industrial beam. Ça, j'ai pas fait. Ok, je peux en faire que 2 parce qu'il faut 4 steel beam, d'accord. Du coup, ouais, je peux faire les 3. Ok, j'ai ce qu'il faut normalement. Donc, je peux faire la fonderie avancée. Sachant. Que dedans il va falloir que j'amène du fer. Ok, pas de problème. J'ai des filons là-bas en haut qui me demandent qu'à être utilisés. Et j'en ai encore 2 de l'autre côté. Alors on voit pas grand chose là. Voilà, j'en ai encore 2 là-bas. Pas de souci. Par contre, il faut que j'amène le charbon. Et le charbon, lui, il arrive là-bas. Alors, comment on va faire ça? Est-ce que je le ramène avec un autre camion? C'est possible, c'est tout à fait faisable. Sachant qu'il faudrait que je le ramène de ce côté-là de l'usine ou alors là-haut. Peut-être tout faire là-haut et amener ça par ici. Sachant qu'après j'imagine que je vais avoir plein de choses à faire avec l'acier. Je sais pas trop quel va être le futur. Alors est-ce que... Au niveau charbon, j'avais rien hein, de ce côté-là, il n'y avait rien du tout. C'était 460 mètres, donc c'est le filon que j'ai là-bas, et l'autre après il est à plus de 1000 mètres, je crois. Voilà, 1200, 1100. Du coup. Est-ce que l'acier. Non, est-ce que du fer, j'en ai plus proche là-bas? J'ai celui qui est là, ok. Bon, là-bas, je... ah. 500 mètres. D'accord, donc il se peut que j'ai... On va aller voir où se trouve le... Oula, je vais me faire mal.
Je vais voir si c'est proche ou pas de mon filon précédent de charbon. Je peux peut-être, en faisant un scan d'ici, avoir peut-être une meilleure vision. Mètres. Il se peut que ce soit assez proche de mon filon de charbon, et dans ce cas-là, je pourrais presque délocaliser la cuisson d'acier et rapatrier l'acier directement avec, avec un camion. Ce serait, je pense, plus intéressant que de ramener d'un côté le fer et de l'autre côté le charbon. Voilà. Ah ouais, c'est juste à côté. Là, je vais avoir mon filon. Là, j'ai mon filon de charbon. Ok. Et le fer, il doit être là-haut. Hop, hop, voilà. Il est là. Alors, c'est toujours de l'impur, décidément. J'ai pas beaucoup de chance au niveau des filons dans ce coin-là, même si effectivement ça compense par leur nombre. Et là j'ai de l'impur aussi. Par contre, effectivement. Là-bas c'est quoi? Ça doit être du calcaire, j'imagine. Ça ressemble à du calcaire. Voilà, c'est du calcaire. Il est pur ici et là il est impur. Niveau fer. Celui-là, je l'ai vu. 400 mètres là-bas. Et encore 300 mètres par là. Bon, après, ça va faire un peu loin. Je me demande ce que c'est, ce truc sur le rocher là-bas. Ah, c'est du soufre. Ok. Alors, de mémoire, pour l'instant, le soufre n'en a pas d'utilité. Parce que c'est pas encore développé dans l'état actuel du jeu, hein. Je rappelle qu'on est encore en alpha, même si le jeu est plus que fini, mais il manque encore pas mal d'éléments, en l'occurrence le tir 7 et le tir 8. Ah, j'ai plus de place. Je vais bien pouvoir me débarrasser de quelque chose, ouais, une bobine de fil, ça, je pense que je peux largement l'ajouter. Ok, donc on va faire la fonderie, on va délocaliser l'acier. Ça me plaît moyen, mais ça me plaît moyen. Alors je me dis aussi que quitte à refaire une station de. Quitte à refaire une station de camion, je pourrais directement mettre un deuxième camion qui aille chercher le charbon au même endroit. C'est un caillou, d'accord. Un deuxième camion qui aille chercher au même endroit et qui amène par contre directement dans l'usine. Donc là, elle tourne plus. Voilà. Là, ça tourne plus. Si ça s'allume en jaune, c'est juste que c'est plein. Donc j'ai largement assez de charbon. Donc on va faire ça, on va mettre un deuxième camion. On va faire au plus simple. J'espère juste que le trajectoire, ça va être un peu moyen. J'espère que quand ils vont se croiser, ça va bien se passer. Donc je remets une station de camion, je refais un camion, j'amène le charbon à proximité de mon minerai de fer et je fais la fonderie avancée pour cuire les premiers lingots d'acier et ce qui me permettra également de mettre en place les MK2, les foreuses MK2 pour développer vraiment ma production. Allez, à tout de suite. Ok, donc la gare routière est en place ici sur une petite fondation. Il a fallu que je déplace un petit peu ici, que je fasse la place pour pouvoir passer avec le camion parce que j'avais mon arrivée de cuivre, donc j'ai mis ça sur des piliers. Du coup, ça passe.
Ici, de ce côté-là aussi, j'ai rajouté quelques fondations histoire que ce soit un peu plus stable pour le camion, qu'il puisse passer tranquillement. Et voilà, et après, il va pouvoir prendre sa route vers le charbon. La seule chose dont j'ai peur, c'est si les deux camions se croisent, même si j'ai largement agrandi le pont là-bas. Mais bon, on verra bien. Normalement, c'est sécurisé. J'ai mis des barrières aussi. Donc, ce qu'on va faire, on va directement enregistrer. Lancer enregistrement. Ça enregistre. Là, on tourne. Voilà, on va pas aller trop vite. Là, on va laisser charger. Oh là là, voilà. Voilà exactement de quoi j'avais peur. Et c'est pas grave, on repart. On va faire comme si de rien était. Et on va croiser les doigts pour que ça passe. Hein. Voilà, pour le coup, le retour, on va essayer de passer par là. On devrait passer. Oh là là. C'est une catastrophe cet enregistrement. Je sais pas si ça va marcher. Ok. Terminé l'enregistrement. Ah, mais il est reparti déjà. Bon, ben voilà, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Normalement, déjà, je devrais avoir le charbon qui arrive. Voilà, impeccable. Qui se remplit ici. Donc, ici, j'ai mis un deuxième mineur au cas où on va pouvoir exploiter peut-être une deuxième fonderie. Là, ça avance pas des masses. Et lui, il a besoin de 45 charbons à la minute. Donc, il faudrait que je passe ça en MK2. Est-ce que j'ai les moyens? En plaque renforcée. Ah, j'en ai 170 sur moi, mon ami. Oh, on est large. Et du coup, celui-là aussi, je passe en MK2. Si je veux que ce soit vraiment efficace. Même si, du coup, le MK2 va m'amener, si je dis pas de bêtises, 120 ressources par minute, alors que lui, n'en produit que 30. Par contre, quand j'ai envie de les passer en MK2 aussi, ben je serai à 60. Oui, donc du coup, effectivement, le MK2 ici ne se justifie pas spécialement. Et là, on produit de l'acier. Ok, super. Super, super. Donc j'ai rallongé mon étage, comme ça. Et j'ai tout à peu près au même niveau. Je peux agrandir ici encore, je pense. Voilà. Et du coup, avec l'acier, je vais pouvoir faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'acier? Oui, des tuyaux, des bimes, c'est-à-dire des poutrelles, je crois. Je crois que c'est surtout ça qu'il va falloir. Et surtout, je vais pouvoir me payer mes MK2. Donc, je vais récupérer l'acier qui est là. Je me suis mis un propulseur ici aussi. Voilà, pour accéder directement à cet étage. Aïe. On a dit pour les foreuses MK2, foreuses, 4 bimes et 10 tuyaux. Bon. 8 de tuyaux. Voilà, comme ça je peux en faire au moins 2. On va tout faire. Je récupérerai de l'acier là-haut. Yep là. Alors, qu'est-ce qui est intéressant à passer en MK2 en l'occurrence, celle-ci déjà. Ça c'est une certitude puisque je produis que 30. Et il en faut 45 par minute. Alors, est-ce que je peux... Ah,
autres objets. Ah oui, le BIM. Ça qui est donc. Et la foreuse portative. Ok. Je prépare ça et je reviens. Ok, j'ai tout pour passer la foreuse en V2. Alors est-ce que je peux juste la mettre par-dessus? Non, il faudra que je la démonte. Bon, c'est à peu près la même. Hein. Elle est un peu plus badass. Ouais, elle est un peu plus grosse. Mais bon, ça reste à peu près équivalent en termes de taille et d'encombrement. Et du coup, elle va me produire 60. Donc c'est toujours pareil. Hein. C'est pas la peine que je passe en V2. Je peux rester sur du V1 puisque ça envoie 60. Voilà. Et là, le tapis sera utilisé à plein. On voit déjà que ça va beaucoup plus vite. Donc là, je vais envoyer 60. Et on a besoin de 45. Ok. Donc on est large. Il y a même un peu trop. Mais c'est pas bien grave. Pareil, lui, il a besoin de 45. Donc je peux rester en V1 en fait. Même si. Dans ma mémoire, les V1, les tapis V1 c'était 30, en fait non, pas du tout, c'est 60 par minute. Donc on a besoin de 45, on est bon. Ok, et elle va produire à plein régime, déjà 36, lingot. Donc voilà, on a l'acier, je peux mettre mes foreuses V2, et ce qui va me permettre de faire du coup l'update de ces deux foreuses, du coup qui vont produire 60, et comme en bas, j'ai des fours qui ne cuisent que 30 à la minute, et bien du coup, avec une seule foreuse, je vais pouvoir alimenter deux fours, sachant que j'ai encore de la réserve là-bas, et que je voulais augmenter mon débit de plaques de fer et surtout de plaques renforcées. Ouais, donc cette machine, vous voyez là, ici, plaques de fer, c'est ridicule quoi. Elle en produit que 15 par minute, donc effectivement, c'est vraiment ridicule, et lui il en aurait besoin de 20 par minute, donc il y a un léger retard, mais on va dire qu'il me faudrait au moins 3 machines comme ça pour 2 machines comme ça, et là j'aurais vraiment le plein de plaques renforcées dans un rythme assez soutenu, ce qui me permettra également d'avoir 2 machines, de garder peut-être un stockage pour mon usage personnel, genre les tapis, et un second container pour les constructions qui seront un peu plus évoluées et qui nécessiteront sûrement de la plaque renforcée. Donc, écoutez, je vais pas vous embêter avec ça parce que je pense que je vais faire ça hors vidéo parce que ça risque d'être assez long. Déjà, il faut que je sépare les tapis ici. Vous voyez, je les avais empilés, hein, ce que vous avez vu dans le timelapse avec les petits supports, c'est quand même hyper pratique, ça fait gagner de la place. Donc du coup un tapis ici va me fournir 2 usines là. Là pareil, je pourrais aussi mettre plus qu'un tapis pour 2 usines là, et le reste va partir là-haut, sachant que les usines d'en bas vont rester telles quelles, même si elles seront pas super opti, ici pour avoir mes réserves perso. Et à l'étage, ça servira pour les éléments plus évolués. Donc du coup, les tiges de fer et les boulons serviront à faire des rotors. Les plaques de fer et les plaques de fer renforcées serviront à faire des cadres modulaires, voire des cadres modulaires renforcés avec l'acier par la suite. Donc un étage pour mon usage perso et un étage pour les choses un peu plus évoluées. Sachant que de la même manière, dans les choses évoluées que je vais construire, comme les rotors par exemple, je vais essayer de doubler la production, de mettre une production de rotors à usage personnel avec un coffre qui sera par ici je pense, que je vais essayer de recouper, et un autre coffre qui servira par la suite pour la fabrication d'éléments un peu plus évolués. Voilà le programme, écoutez, je prépare ça tranquille dans mon coin, donc il n'y a rien de spécial, hein. C'est des choses que vous avez déjà vues, et comme ça prend beaucoup de temps, je vous embête pas avec ça.
Voilà, écoutez, je pense qu'on aura déjà bien avancé, hein. Je pense que la 6 était quand même une étape assez importante, même si c'était pas forcément la priorité en commençant l'épisode. Mais c'est une étape importante et au moins c'est fait et on pourra par la suite donc se programmer l'évolution supplémentaire et envoyer donc les objets nécessaires dans l'ascenseur, c'est-à-dire les moteurs et les cadres modulaires qui seront automatisés. Donc je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.